Bonjour à tous et merci de me passer la parole. Je voulais remercier le représentant du directeur exécutif d'Interpol pour ses mots de bienvenue et remercier également donc le Conseil européen du droit notarial. La faculté, le doyen de la faculté de droit de Lyon, de l'université de Lyon 3, pour avoir pris l'initiative et nous avoir associés à cette journée d'échange sur les enlèvements internationaux d'enfants. Nous avons également la chance et nous sommes honorés par la présence de Monsieur l'avocat général, que je cherche les yeux mais que je ne vois pas, une représentante du ministère des Affaires étrangères, un inspecteur d'académie. C'est dire si la problématique est vaste et importante et le nombre de partenaires qui doivent effectivement apprendre à travailler ensemble le sont. Pour ce qui nous concerne, sur l'aspect purement policier, au-delà du traitement un peu médiatique et douloureux des enlèvements internationaux d'enfants, je dois dire que les policiers en général sont assez démunis parce que nous sommes dans une problématique qui se situe à la croisée du droit civil, d'où la présence des notaires ici, du droit pénal aussi avec l'enlèvement, et donc des pratiques policières. Et j'ai pour ma part été attachée de sécurité intérieure à Rome, et j'ai compris que les situations que vivaient à la fois les enfants, mais les deux parents dont le couple se défaisait, sont extrêmement violentes et extrêmement difficiles à vivre et nous mettent en tant que policiers dans des situations inextricables parce que souvent nous n'avons pas la connaissance et c'est en cela que la formation est tout à fait intéressée par cette problématique. Nous n'avons pas une bonne connaissance d'abord de la convention de La Haye du 25 octobre 80 et de ses applications. Et parfois même, cette convention est difficile à appliquer dans une application nationale. Et je vous dis, pour ma part, mon expérience personnelle a été extrêmement compliquée. Il a fallu que je travaille avec des policiers et des magistrats italiens pour essayer de trouver une solution à la fois forcément juridique satisfaisante et humaine satisfaisante. Et c'était toute la difficulté et l'enjeu de cette question. Donc cette journée me paraît tout à fait essentielle et importante. Pour nous, elle va nous permettre d'engranger ce qui sera dit et de l'intégrer dans nos formations, donc d'aider les policiers qui sont ensuite sur le terrain en France et parfois donc à l'étranger, comme je l'ai été, pour mieux cerner les outils qui sont à leur disposition, les bonnes pratiques, comme l'a dit le précédent orateur, et essayer de les diffuser et de faire en sorte que cette question trouve une solution acceptable pour tous et en tout cas juridiquement tenable. Voilà, je souhaite en tout cas une très bonne journée à vous tous. Je ne pourrai malheureusement suivre tous ces travaux, mais les représentants de l'École nationale supérieure de la police qui forment les commissaires de police et les officiers de police en France sont nombreux aujourd'hui et j'espère qu'ils participeront activement à vos travaux. Finally, I wish you a very successful conference and I hope that it will be very useful for all of us. Thank you very much for your attention. Merci.